Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Alors, je sais pas pourquoi ils sont debout. Eh, ils sont tous debout. Ben non. Non, non. Oh, oh, tu déranges pas ton daron. Et, qu'est-ce pourquoi? Demandez conseil. Ah oui, bah ben, en pleine nuit. Alors, c'est quoi ce délire? Ça suffit! Allez, tout le monde au lit! Zou! Au lit! Garance! Donc, dans le dernier épisode, nous avons eu la petite naissance de Harold et Igor. Les garçons. Les héritiers mâles de la famille Ugly. Putain, ça commence déjà les cours. L'anniversaire d'Harold et Igor, déjà. Oh my goodness. Va pisser. Il va manger. Tu sais pas faire pipi sans qu'on te le demande? Oh. Utiliser et désinfecter. Oh, c'est bon. Hein, Frida? Frida, pour l'instant, elle grandit dans 2 jours. Bon, contrôle des émotions, c'est pas GG. Mais elle est responsable. Et c'est pas mal. Attendez, je pense que on a les deux autres. Il est 8h, donc effectivement, il va falloir se lever. Ouais, zut, tu peux pas te sécher les cours. Oui. J'ai pas trop envie que t'ailles en cours en puant la mort. Donc s'il te plaît, va te laver avant. C'est tout ce que je te demande. Et après, tu pourras y aller. Garance, elle a juste faim. On va l'envoyer dormir. On va l'envoyer en cours. Et on a Igor qui s'est réveillé. Lequel des parents est le plus frais? Bon bah, Louis, occupe-toi de ton fils. Il n'y en a qu'un des deux, oui, c'est bon. C'est bon, on va gérer. 5 enfants. Il y en a 3 qui se débrouillent par eux-mêmes, c'est parfait. Et le reste, on va gérer, ça va aller. Ouais, moi j'aimerais bien avoir un petit héritier mâle comme ça, aussi beau que Louis, hein. Aïe 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 aïe. Garance par l'école, c'est parfait. Ah, et on a notre chien qui dort. Oh, il est trop chou! Oh, il dort sur le canapé! Il est pas très épais, on voit ses côtes et tout, hein, mais bon. Tiens, tu peux parler. Tu peux bercer et parler à. Oh, compétence 4 d'éducation. Pas mal, mon petit Louis. Tu vas prendre ta douche. Dans ta chambre et tu vas faire un petit pipi caca, tu feras ce que tu veux. Bravo Eddie, terminé les projets scolaires, un impact sportif. Très bien. Les projets scolaires, tu vas réviser assidûment. Non, non, on va se faire des amis, c'est vrai. Il faut qu'on voit les cousins, cousines et puis peut-être les futurs maris. Hein, et femmes, mais bon, femmes, ce sera pour les garçons quand ils viendront à l'école. Nous allons voir ça. Donc, ça, c'est moi. Tu pars à l'école, oui, c'est... Allez, tu vas rencontrer des gens. Cybèle, comment tu vas? Tu vas pouvoir te lever aussi. Ah! Puis tu vas servir le petit-déj. Du pain perdu. Ah, on a Loki qui a faim. Papa! Et tu vas donner après à manger à Loki. Alors, moi, je vais me débarrasser des assiettes. Non. Ah si, c'est... C'est toujours passionnant hein, quand je mets les assiettes, hein, j'en ai bien conscience. Ah non, mais il a remis son t-shirt piment là. Je me souviens même plus de quel t-shirt j'avais mis dans cette tenue. C'est nul. Voilà. Mon Cybèle, ne mets pas le feu, ça m'arrange. Ok, bah je sais pas, parle au chien, faire connaissance. Caresser. Pourquoi gronder? Je suis pas sûre, roule sur le côté. Ah, assis, ah ouais. Apprends-lui à se mettre assis. Alors, droit d'auteur, 552. Convention geek. Très bien. Voilà, on a fait à manger. Niveau 6 pour Cybèle, elle se sert, c'est parfait. Du coup, Louis, il va pouvoir prendre une portion juste après aussi. Oh, c'est bien, Loki, il a appris à se mettre assis.
Mais bon, après, il faut vraiment que je fasse Cybèle qu'il le fasse, parce que... Être ami avec 5 animaux, corriger 2 mauvais comportements. Le truc, c'est qu'il a appris tellement de choses, Loki, que je sais même pas quoi lui faire faire, quoi. Ah, eh ben non, on va pas prendre de douche, on va s'occuper de Harold. Allez. Harold, le petit garçon. Dans 2 secondes, ils vont popper, ils vont être bambins, je le sens bien. Mais bon, ça sera pas mal. Oh. C'est pas vrai, Cybèle. Pourquoi faut que vous cassiez tout les trucs? Bon, Cybèle, elle se lâche. Là, aujourd'hui, elle a mis la petite tenue. La combi short avec les cheveux lâchés. Bon. Bah, dès que t'as fini de faire la réparation, le courrier a été distribué. Bon, on va aller voir ça. Et ben, donc, je disais, dès que t'as fini ça. Il y a des minous! Il y a plein de minous! Ah oui, compétence 3. Bon. Tu vas creuser 2-3 trucs. C'est juste histoire qu'on puisse, je sais pas, avoir des trucs. Oh, il y a un chien qui a. Alors, il est errant, mais il a une fringue. C'est logique. Tu vas creuser tout ça. Tu vas prendre la grenouille. Et puis tu vas pêcher un peu. Alors on n'a pas. Tu vas prendre de l'ail. Tu vas prendre un verron. Et puis voilà, on en est déjà pas mal. Il a trouvé un verron dans le sol, lui, d'accord. C'est très logique après tout. Taz. Une roche calcaire. Très bien. C'est vraiment magnifique comme quoi. On va avoir les enfants. Voilà, qui rentrent de l'école. C'est très bien, les filles. Tu peux aller te doucher, manger et t'amuser. Toi, tu peux aller t'amuser. Ah, ça y est, un garçon qui se réveille. Et toi, t'amuses. Non. Bah non, toi, c'est bon. Ouais, bah fais ta life, et puis tu iras aux toilettes aussi, à l'occasion. Maman, t'as toujours pas fini. Mais arrêtez avec cette maison de poupée. T'as pas fini ton bouquin. Bon, bah c'est pas grave. Qui c'est qui pleure? C'est Igor. Oh nana, mon petit Igor. T'inquiète pas, maman arrive. Maman arrive. Oh, ça y est, se sont vus les deux là. Oh, j'en ai marre. Oh, c'est pas grave. Ah, le toilette est cassé ici. Youpi. Bah t'as la toilette encore là-haut, hein. On est riche, on a 3 salles de bain. Tu vas utiliser. Voilà. Ensuite, si ça tient qu'à ça, je crois qu'on a un miroir dans l'entrée. Oui, tu vas. Ah bah non. Ah non, c'est toi que je voulais. Tu vas te donner des paroles encourageantes. S'il attrape une fraise, Louis, mais c'est GG. Maman, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, les garçons vont bien. Ok. Tu vas reprendre ton. Tu vas aux toilettes aussi, toi. Ouais, bah non, tu vas reprendre ton bouquin. Non, écrire. Reprendre l'écriture. Vas-y. Il faut que tu fasses ton boulot. On a besoin de pognon. Ok, toi, tu vas aller manger. Très bien. Bon, ça gère, ça va. Compétence 7 quand même au niveau d'écriture. Comment ça, tes bonnes manières? Oh là, attendez, là, voilà, Daria. Si je veux venir, c'est... Non, on s'en fiche. Pourquoi? Pourquoi? Discipline et comportement récent. Sévère. Oh, t'as dit des mots interdits, saleté de fille. Ah, le chien! Oh, le chien! Cybèle, bouge tes fesses, là. T'as d'éducation à faire entre le chien et ta fille. Arrête avec le livre. Et puis t'as un de tes garçons aussi qui va demander de. Attention, confrontation. Oh, la tête! Garance. Voilà. Le chien maintenant. Oh,
Je suis pas sûre qu'il ait appris. Bon, toi, tu m'agaces, Heidi. Tu vas aller manger. Comme ça, tu t'éloignes du truc. Et maman, elle va s'occuper des garçons. Puis les deux se sont mis à pleurer. Voilà, attends, parce qu'il y en a un qui pue. On va faire la couche sale avant. Voilà. Oh là là, concert de bébé. Concert de bébé. Oui, il y en a déjà un des deux qui se tait, c'est déjà bien. Zen. Zen. Ah, oh, Gaba. Oui, il n'y a pas à dire, c'est mieux quand il se taise. Bon, alors Louis, il nous pêche des trucs. Vas-y, si t'as plus rien, pêche autre chose, quoi, avec d'autres appâts, quand même. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Ah non, hein? Ah non, 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 non. Oh là là, puis il y en a plein dans la chambre d'eau. C'est trop marrant comment ils ont fait l'animation. Elle est tellement vraie. Ah, c'est trop chou, j'adore. Oh, Lorelai. Non, Lorelai, on va pas les dîner avec un fantôme. Bon, tu essuies maintenant, Lorelai. Cybèle, parce que j'ai vu Lorelai, ça y est, je sais plus. Réparer les toilettes, hein. Quand même. Sinon, on n'a pas fini, parce que là, si Louis, il passe son temps à pêcher... C'est pas grâce à lui qu'on gagne vraiment de l'argent, hein. Ça c'est clair. Hein. Je voudrais pas dire, mais... Hop. On a reçu une nouvelle grenouille. Ouais, c'est pas... On n'est pas hyper riche non plus. Hein. Bon, on va voir ça. Lui, il est tranquille, hein, alors que tous les marmots à la maison, quoi. C'est lui qui devrait réparer. Oh, il dort là maintenant, mais il est chou ce chien. Toi, tu sais pas quoi faire, ma jolie. Tu vas faire pipi et faire ses devoirs. C'est quoi ça? Oui, ah bah c'est bien. Toi, bah, tu devais aller aux toilettes. Oui, bah vas-y, utilise. Quoi? Mais le chien, il dort, il te regarde pas, hein. Qu'est-ce que tu t'en fiches? N'importe quoi. Non, mais. Si belle, t'as un grain, hein. Le chien, il va pas te juger, t'inquiète pas. Va. Il a vu pire et il verra pire. Hein. Voilà, t'es en forme? Est-ce que tu peux caresser le chien? Oh, lui, oh, il a peur de... Pff, n'importe quoi. Il a peur du truc, maintenant. Des toilettes. Oh, je vais y arriver. Et puis tu vas essuyer ça. Oh non, il y a encore des petits. Louis n'a plus d'appât. D'accord, c'est ça. C'est Harold. Harold, tu peux te taire, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, elle va un peu jouer avec le chien, parce que sinon, ils seront jamais copains. Bon, Louis, va changer d'appât. Après, tu rentreras à la maison, parce que là... Mais qu'est-ce qu'elles font, elles? Elles vont pas dormir non plus. Si vous ennuyez, vous faites vos devoirs, hein. C'est quoi ce délire, ici? T'es tendu, bah... Divertis-toi avant de... Et après, tu fais tes devoirs. Ça y est! Oh, bah on le voit ici. Harold, il a un super chapeau. Oh, blond! Il y en a un des deux qui est blond. Harold a vieilli. Alors, Harold. Harold. Allez, on va mettre peau de colle. Et Igor, on va le mettre. Pénible. Allez, je me corse un peu l'affaire. Oh, attention. Attention. Oh, il est tout petit garçon. Trop bien. Je veux être en mode tab pour regarder. Oh, le chapeau à fleurs, quoi. Bonjour. Bon, de toute façon, on va aller relooker. Donc, ce sera mieux. Bon, ben, Heidi. Oh là, je sais plus où j'habite. Oui, non, tu peux essuyer. Oh là là, mais tes enfants, ils viennent de grandir, donc... Frédéric a un gueuil... Enguerrand, Adélaïde. Mais Adélaïde. Ah oui, non, Adélaïde. Ok, il y a plein de cadeaux qui vont arriver à la maison. Faites-moi voir vos bouilles. Ouh, les beaux yeux de papa.
Et toi aussi. Ah, mais ils ont tous les yeux bleu vert. Attendez. Ouais, il y en a pas un qui aura les yeux gris bleu clair de Cybèle. Ils ont tous les yeux bleu vert de Louis. Bon, moi j'adore, hein, donc je vais pas me plaindre. Et il est trop chaud comme ça. Oh. Et oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, je me répète, hein. Je me répète, je me répète, et je me répète. Mais tu pouvais te divertir, je t'avais dit. Tu fais ce que tu veux, mais tu te divertis, je sais pas. Va jouer à la poupée. Vas-y. Après, tu referas tes devoirs après. Devoir terminé. Frida a déjà fait ses devoirs, c'est parfait. Cybèle, arrête avec la maison. On n'a pas que ça à faire. Et puis, ben, c'est cool. Ben, moi, je vais faire ça. Les petits. Lui, il a faim. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence. Ils vont avoir faim tous les deux. Babillé. Babillé. Babillé, babillage. Très bien. Si babillent entre eux, maman va faire le dîner. Un chili végétarien. Allez. Comme ça, après, on donne à manger à tout le monde. Ouf, et le chien qui est obsédé par le frigo. Il a peur des toilettes et il adore le frigo. C'est logique. Bon, les garçons grandis, c'est super. Mais elle, est... je lui dis de jouer, elle veut pas. Bon, d'accord, bah tant pis, hein, tu vas être tendu du slip, hein. Elles sont trop mignons. Ils sont beaucoup trop mignons. Frida, tu veux faire quoi? Tu vas demander conseil, mais en fait non. Mais en fait si. D'accord. Bon, maman, de toute façon, elle finit de faire à manger. Papa, il a fini sa pêche. Eh ben, tu peux venir ici, voir que tes filles sont grandies. Alors, quand je serai adulte, quand je serai adulte, je vais devenir ninja. Pff, quelle vocation. Que dois-je faire pour commencer à me préparer? Commence à t'entraîner à te cacher. Trouve une tenue de ninja. Voilà, super. Va remplir la gamelle. Pourquoi t'as pas vu la responsabilité, Frida? Mais non. Non, ça va aller, au max. Ça va, on s'en sort pas trop mal. Pour son évolution, Frida. Oh, mais non, si belle! Elle éternue dans le... Oh, mais quelle est dégueulasse. Voilà, Louis revient, il va nourrir le chien. Apprendre à chercher la balle. Les garçons, ils jouent, ils s'amusent. Mais Cybèle, arrête de faire nawak, fais à bouffer. Avec le pouet-pouet. Compétence 6, éducation. Je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait. Voilà, donc, il y en a un qui va pouvoir venir. Et l'autre qui va pouvoir venir. Parce qu'ils ont faim, les garçons. C'est des garçons, hein, ils ont besoin de manger, hein. Le cliché à deux balles. Donc elle, c'est bon. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Aller voir le bambin, réagir à un cadeau de l'animal. Oh, il a fait un cadeau? Loki? Loki, t'as fait un cadeau? J'ai pas compris. Il est où le cadeau? Bon, on va laisser faire Louis, hein. Ah, c'est là le cadeau! C'est trop chou! Un petit cadeau rose! Une énergie liquide! Oui, j'ai fait peur ça, c'est quoi une énergie liquide? Ça! Ah, bah d'accord! Bah écoute, bah tant mieux! Et toi? Toi, t'es toujours à moitié morte, hein! Franchement, non, quoi! Je sais pas, on a fait à manger, tu peux venir te sustenter et regarder. La télé, je sais pas qui c'est qui regarde la télé, c'est assez Cybèle qui regarde. Cybèle, t'as pas fini ton bouquin, il me semble. À chaque fois, je clique pas sur le bon truc. Allez, tu finis ton bouquin et comme ça, on pourra le mettre. On pourra gagner des sous. Dépêche-toi!
Elle va enfin s'y mettre. Toi, mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont à dormir aussi tôt, les gamines? Je sais pas, jouer à la poupée. Frida, elle sait pas quoi faire de sa vie. Tu peux aussi manger. Je vous jure, hein, quand même. Lui, il est tout énergisé, c'est bien. Ah, il y a encore quelque chose qui a été cassé. J'ai entendu la petite musique. Est-ce que c'est là-haut? Non. Par contre, c'est sale. Bah, tiens, tu vas venir nettoyer. Plus de choix. Ah non, on peut pas nettoyer? Bah, c'est sale? Bon, bah, je sais pas. Ah, ça y est, Cybèle a terminé son livre. C'est parfait. Compétence. Voilà, ah, je vous jure, ça n'arrête plus là, dans tous les sens. Tu vas vendre à un éditeur et prendre le courrier. Bah, ça, du coup, il danse. Nawak. Bah, tiens, tu peux parler à ton fils? Et jouer. Igor. Mais Igor, j'aime bien sa petite coupe de cheveux, je lui ai laissé comme ça. Et Harold, oula, qu'est-ce que tu nous fais avec ta bouche, toi? Harold, il est fatigué. D'accord, mais tiens, on va te relooker, on va vous relooker avant. Qu'est-ce que c'est? Et prévoir une tenue. Ce sera quand même pas trop dégueu. Mais regardez-moi ces bouilles d'amour! Igor, magnifique. Et j'allais dire Grishka, mais non, c'est pas Grishka, c'est Harold. Et ben, franchement, ils sont super mignons. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont quand même les pommettes et le menton de maman. Et la bouche aussi de maman, une grande bouche. Mais on verra, hein, mais les garçons avec des grandes bouches, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Bon, ben, je les relookais, je vous les montre juste après. Mais regardez-moi cette bouille d'ange! Avec cette petite tignasse! Elle est trop chou! Alors voici, voilà, vois ça. Voici Harold. Tenue de jour, tenue de jour. Tenue de fête. Tenue de pyjama. Et tenue de fête aussi. Enfin, c'est cérémonie et puis là c'est fête. Et nous avons petit Igor. Igor. Tout chouquinet. Je n'ai même pas retouché leurs sourcils, donc je suis en train de me dire. Tenue de jour numéro 1. Tenue de jour numéro 2. Tenue de cérémonie. Tenue de pyjama. Et tenue de. Et voilà, et ils sont beaucoup trop mignons ces petits garçons. Et nous revoilà avec. Oh, c'est trop mignon! Louis qui joue avec Igor. C'est trop chou! C'est beaucoup trop mignon! Bon, alors, moi j'ai quelques assiettes à mettre dans la poubelle, ça je le range. Il est minuit! Oh, il est minuit mercredi. Oh, qu'est-ce qu'il est chou, Harold! Tu es chou, Harold! Tu fais pipi dans ta culotte. C'est très bien. Et ensuite, tu vas dormir. Igor, eh ben, lui aussi, tu vas aller dormir. Comme ça, c'est fait. Toi, ben, c'est bien. Fais le ménage, t'as raison. Hein, si ça t'éclate. Toi, tu t'es bien remonté le moral et tout ça. Tu peux aller dormir. Il est quand même minuit, ma cocotte. Frida, elle est partie dormir, donc c'est parfait. Il faudra bientôt que je change l'étage, que j'aménage tout ça pour qu'il y ait assez de place pour les enfants. Pour tous les enfants de la famille. C'est génial l'action quand même. Wow! Ça, franchement, c'est trop mignon. Alors, toi, tu danses? Non, mais tu peux manger, s'il te plaît, Louis. Ça sera fait. Elle, bah, elle est pas mal. Vous allez discuter parce que vous n'êtes pas très très vus longtemps. Partager un secret. Pendant que Loki joue avec son pouet-pouet. Hop, on gagne des sous. On gagne des sous. On est quand même remonté à 5000 sinflouz. C'est plutôt cool. Sachant qu'on a payé les 3000. De la maison, des factures de la maison, seulement l'épisode dernier, quoi. Parce qu'on est à peine mercredi, donc ça veut dire qu'on était mardi, donc ça veut dire qu'on a payé le lundi. Donc c'est ouf! Qu'est-ce que tu fais, Heidi? Heidi, va te coucher. Allez. Eve, je veux pas que tu fasses une sieste. Je t'ai dit dormir. Dormir, voilà, avec un D.
Alors, les parents discutent, se retrouvant un peu seuls, un peu... Non, non, mais... Elle est partie se coucher. Même pas. Ah ben non, je sais pas. Voilà. Non, mais mange, Louis. Ah oui, ça va. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, déplaçons-nous, mettons-nous dans le... Là où... Oui, d'accord. tu vas faire un baiser suave aussi, tiens. Réciter des poèmes d'amour. La maisonnée est calme. Faut en profiter. Voilà. So-so. Compétence 6 en charisme. Kimba. Chao Tokibo. Sika. Nobi Nobi. Yebu. Hey, Yebu. Baina Flim. Crip, crip. Shimagra. Tu vas être désirable. Ah, il est enjôleur, hein, ça y est. Et un petit crac-crac, de toute façon, on est complet. On peut pas faire grand-chose d'autre. C'est comme ça que t'es désirable? Ah, ça y est. Elle est fatiguée, ta femme. Hein. Il va falloir que tu lui fasses des avances un peu avant qu'elle tombe de sommeil. Parce que... Et puis toi aussi, d'ailleurs. Ouh, je sens que le crac-crac va pas être terrible. Ah bah oui, mais les assiettes n'importe où. Bon, en même temps, je suis là pour repasser derrière, donc c'est pas très grave. D'accord. Allez, les enfants, mettez-vous un petit peu de romantisme. Tu fais une fleur, ma chérie. Oh, merci. Oh là là, il fait chaud ici, dis donc. Hein. Et sinon... Oh non, j'en ai un qui se réveille. À faire un cauchemar. Non, 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 non. Tu vas faire une sieste, tout simplement. Ça, c'est fait. Eux, ils vont ramper jusqu'au lit. Et puis, voilà. Un petit cracra qui va bien. Et on est reparti pour de nouvelles aventures. Oh, et puis quand il n'y en a pas un, c'est l'autre. Oh, mais je vous jure. Les bambins, c'est chiant. Allez, Igor, rendors-toi tout de suite. Nous, on est sur l'épisode... On est la fin sur l'épisode, là. On est sur le cracra que... qu'on a l'habitude de faire avant de se quitter. Donc moi, je vais vous laisser ici. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et puis voilà. Je vous souhaite très gros bisous. Allez, salut.